Bienvenue sur Mighty Promo, un nouveau live, un nouveau podcast. Dans le dernier podcast que nous avons parlé de nouveau musique vidéo Beijing Cadillac, là, nous avons parlé autour de chaque clip qui est dans la vidéo. Et la vidéo représente un paquet de choses avec qui est-ce même que Monsieur Damien a parlé. Nous simplement quoi, musique lui-même, lui parler, musique lui-même, lui faire autre. Pas oublier, un artiste qui a pour devoir. Et bien que deux fois, c'est ça qui a passé, et ça qui a passé pour le dégager en dedans. Et en dedans, musique vidéo, ça, c'est ça que nous jouons. Pas oublier, nous, c'est Mighty Promo. Abonnez-vous à notre channel, ça, cliquez sur la belle notification. À chaque moment que nous voyons un nouveau live, pour qu'à recevoir. Et vous-même qui fait ça, nous vous remercions de ce qu'on abonne ensemble avec channel ça, qui permet que nous arrivions à 3000 subscribers. Nous apprécions ça. Est-ce qu'on peut vous faire pas quoi? Beijing Cadillac. Chaque clip en dans musique vidéo, les représente un bagage. Et je dis là, live ça li fait avec yon nan clip qui en dans musique vidéo. Yon vidéo ou pas capable garder. Yon vidéo qui dit ou gardez à chaque clip qui tombe, à chaque autre clip qui va entrer. Et n'a dit tout. Nèg qui shooté vidéo ça, comparez ça. Bon travail. Longue vie pour DMC Damio. Et nous passons à un album. Eh bien, un album qui va le faire route li. Et il va le faire route li tout. Il va le dépendre de fanatique Beijing Cadillac. Beijing Cadillac qui s'accueille après tant d'amour. Eh bien, c'est fait, ils font histoire, faire battre un record. Ça fait me faire, dans le premier album, ni, Beijing Cadillac, premier album. Yo. Ça veut dire, dans le premier album, yo, ou qu'a fait, ou fait histoire. Fanatique, ça fait mieux travail, ça fait me faire histoire. Pendant que acheté l'album, ça fait me faire billboard. Après, ça fait me faire billboard pour 2023. Eh bien, tout album qui va sortir 2024, là, pas gagné même qui font configurer sur billboard. Nous te dis ça, soit checker tout podcast que nous faisons. Nous dis, pour fanatique, Beijing Cadillac, si ou pas fait, Beijing Cadillac fait billboard. Le soir fait Mighty Promo, nous parler en pile. Les ne parle en pile là, pas venir jouer en bas live là. Et nous mandé tout à augmenter de subscribers que Beijing Cadillac gagne sur YouTube pour yo même pour arriver à 1 million abonnés. Parce que pas gagne l'autre artiste haïtien qui arrive dans niveau ça. C'est pour des jazz que nous mandé lui. Nous demandons pour Zafem et nous demandons pour Beijing Cadillac. Gen l'autre jazz, nous demandons toujours. Puis tout le temps, nous avons un pile jazz qui s'inscrivait dans 1 million abonnés sur YouTube. Nous sommes contents simplement de arriver sur 1 million abonnés sur YouTube. Pour ne pas le faire, même j'avais Guy Wewe. Cap joué fanatique qui désabonnait ensemble avec. Beijing Cadillac, ils ont attendu que tout le monde attend. Pour nous-mêmes, nous pensons que l'album n'est pas allé dans le pre-order. Pre-order, ça veut dire que nous avons ordonné l'album avant l'album n'est fini. Nous-mêmes, si nous avons conseillé Beijing Cadillac, eh bien nous-mêmes, c'est ça que nous avons dit pour faire. C'est pre-order l'album. Ce n'est pas attendre l'album vidéo pour sortir ou bien lancer l'album, que l'album n'est pas paru sur YouTube, que nous avons attendu, mais c'est vendre l'album. Parce que ça n'a pas fait un dans HMI là, je dis là. Longtemps, l'été gagne un disque, un artiste qui a dit, mais combien de copies qu'il me vend. Mais je dis là, eh bien, nous, en pile artiste, nous pas focus dans ce que les vend. Ça veut dire, nous-mêmes, si nous te conseillons Beijing Cadillac, si nous travaillons ensemble avec eux, nous avons dit comme ça que, pré-order l'album. Avant l'album de sortir, pré-order l'album. Montez sur Instagram, sur Twitter, live, sur YouTube. Fait présentation album nan, pré-order album nan. Avant album nan, li sorti. Avant sorti. Nous même, en de Mighty Promo, ça son, on poule que nous baye, Beijing ensemble avec Cadillac. Yon album pour nous même, de sa, text pressing sa, qui sorti yon, qui déjà montre nous, eh bien, qui type de album, qui chalet, eh bien, qui,
qui travaille qui album ça, il va le faire. Pas oublier. Pour 2024 là, gagner 3 albums que tout le monde a prétend. Mais en pile d'album ça yo, gagne album qui ca fait impact sur l'autre. Nous pas parler de comme ça que oh tel album pi bon non et pas ça que nous dou. Dans ma petite promo parce que nous pas même avec l'autre nèg yo. Nous pas même avec l'autre nèg yo parce que nous gagne nous même nous gagne argument pour même que nous dou album li pas bon. Si nous pas joindre ni, nous pas dire album non pas bon. Mais l'autre album qui a influencé l'autre album qui va sortir. Pas oublier en 2023 les affaires sorti album ni. Tu as 3 albums qui en vogue qui te ca contrecarrer album affaires là. Mais on compte ça qui passé au niveau de calibre album affaires là, au niveau de fin de affaires là et bien affaires li pèse qui était album ça. Ça veut dire vinn jouer, li vinn font gros impact sur album ça. Qui album ni? C'était Vibe de Makel Guiran et c'était Méchanceté de Rap Créole qui album Méchanceté t'a pas en pile traverser la dedans côté t'a pas gagné question Kendrick Lamar là avec AI là. Qui t'a pas dévié album Méchanceté a. Mais c'est une belle album en de rap créole qui t'est sorti dans 2023. Pour 2024 là, grand pile album qui sorti. Mais il y a 3 albums que tout le monde a parlé de lui qui a tenu. Qui c'est on dit comme ça, yo mettez Classe, Disciple, Beijing Cadillac. Nous dit grand pile impact qui a fait sur 3 albums ça. Et nous ne pouvons pas dire ça que ancien a toujours été ancien. Et nous ne pouvons pas dire tout. Des petits jeunes qui ont travaillé, qui ont build un legacy. Qui ont tracé un exemple. Qui ont break un record. Mais ça dépend de vous-même qui êtes fanatique. Comment ou aborder un album là, comme album l'arrivé sous vous et tout consommer album là. L'on parle de consommer album là, c'est acheter album là. C'est pas simplement pas dire comme ça que bon album sorti mal dans le YouTube. Bal non, c'est acheter album là. Ça fait nous dit si nous t'a conseillé Beijing Cadillac, je dire comme ça que en fait album là sorti pré-order album là. Pré-order album là. 4 jours bien 5 jours pour regarder l'album non. Là Beijing ta batterie comme ça pour faire billboard camper sur billboard pour n'importe 3-4 semaines inside de pre-order sans album là pour sortir. Et puis on va venir joindre toute l'autre nation net pour aller chercher connait qui est qui Beijing garder là là. Côté au sorti. Haïti c'est pas Haïti né Kenya. Kenya là où joindre Jamaïque. Gardo on va les causer Jamaïque. Qui a un problème parle et il t'a pas chercher connait qui est qui Beijing galé la clan t'a pas chercher connait mais on connaît qui est ce qu'a fait c'est fanatique Beijing galé la qui a fait record sa bat et nous dou si fanatique Beijing galé la qui pas fait Beijing galé la fait billboard nous même en dans ma petite promo n'a pas l'empile de nous n'a pas l'empile de nous changer Beijing Cadillac gapil défi pour lever. Pour gens nek ki nan media pran yo. Ça veut dire yo gon on monde pour yo saute en bas pour yo monter mon ça. Et bien pour yo monter mon ça, on pas dire yo a fait même j'avais zafem. Et si yo te ka fait même j'avais zafem. Pap marcher courir nan media même media que te kon Abdou pas qu'à camper pour faire interview, pas qu'à 10 ou pas qu'à date. Pas camper à courir derrière. Fais au même pour ta besoin, pas qu'à joindre nous. Fais au même ta besoin pour pas qu'à joindre nous. Fais connait ou c'est au même qui compte là. C'est au même qui capoter view là. Ou interview ou ta même mandé pour payer pour interview là.
ou ka fè ça en tant que artiste ou ka fè en tant que star ou pa ka débarquer n'importe côté ou ap débarquer à sécurité ou ap débarquer à tout ou ap débarquer ça veut dire faut toucher mais ça m'a venir dans interview qui parle non ou ap chercher sponsor pour une bonne interview a américain ou fèl yon music video qui déjà pote chale pour album nan yon music video qui déjà montré et eh bien ça se différent les bien quit pas oublier dans tout temps monsieur Damio là pas grand yon sorti tu vas faire outre non tout ça sorti yon fait outre mais simplement ou même qui se fanatique ou ka fè yo fè chemin yo puis bien toujours pas bien nous c'est pas petit promo nous là pour nous garder ouais attendez et porter le baou une autre façon nous pas venir là pour nous shooter sur personne moun mais nous dou album ça li ka fè impact sur un pile l'autre album qui va le dehors comme ça tout l'autre album qui doit faire impact sur album de Jingali Lak là mais ou même comme fanatique ou capoter bourré pour empêcher ça fait pas bien nous c'est pas petit promo. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite belle notification. À chaque moment que nous voyons un nouveau live, pour recevoir. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.